Les magiciens. Qui devait arriver, je suis tombée malade. Je suis malade, complètement malade. Bref, ça se voit pas. Hein. Je conçois que ça se voit pas. Hein. Je me mets à votre place et je me dis, mais c'est sûr qu'elle est malade ou... Je me mets à votre place, vraiment. Ça se voit que je suis pas malade, mais je suis. Vraiment, je le suis au fond de moi. Au niveau des bronches, j'ai super mal quand je parle, quand je tousse. J'ai mal à la gorge, ma gorge n'est pas passée. Je sais pas si au niveau de ma voix, il y a un changement sonore. Mais du coup ma voix aussi a changé. Je suis maquillée, je me suis préparée. Pourquoi? Parce que je pars dans un endroit. Je crois que c'est dans les montagnes mais je suis pas sûre. Et après je peux pas vous en dire plus parce que sinon c'est nul. Je pars avec une amie à moi et une copine à elle du coup qui nous accompagne aussi. Enfin de base elles devaient partir toutes les deux. Et c'est moi, je me suis incrustée dans leur délire. Donc ouais, c'est moi l'intrus d'histoire. C'est censé être un endroit féerique, un endroit très bien, très joli. Et j'ai hâte de vous partager ça et de voir ça aussi pour ma part. Bon, c'est simple, j'ai la frange qui est un tout petit peu grasse. Je sais pas si on va voir sur la caméra mais moi je le vois. Donc j'utilise mon shampoing sec. Je vais vous montrer comment on l'utilise. Vous appliquez au niveau de vos racines, donc juste là. On va laisser poser 2-3 petites minutes tranquillement pour que le produit se dissout et enlève le gras. Mes cheveux vont sentir bon, ils vont être doux, il y aura du volume aussi parce que ça apporte beaucoup de volume, donc si jamais. Je vais me mettre des faux cils aujourd'hui parce que bah, vu que je suis malade et que j'ai une tête de malade, j'ai pas envie de ressembler à une malade. Voilà, je vais prendre celle-ci. Celles que j'ai pris de la marque Essence pour moi, qui sont trop incroyables, je les adore. Est-ce qu'on a le temps? Dis Siri, quelle heure est-il? Il est 14h33. Merci. Alors 14h33 et je dois être sortie pour 15h30. Est-ce que j'ai le temps? 3... Ouais, allez, on a le temps les gars, on va arrêter de stresser, ok? Je sais pas si vous connaissez cette colle, elle vient de Primark, voilà. Je la trouve chez Primark cette colle, elle est exceptionnelle, elle tient super bien. Vous prenez donc le premier fossile qui se trouve là. Et en fait c'est très simple, vous avez un côté où c'est plus court que l'autre, je sais pas si vous voyez, regardez. Ce côté là il est beaucoup plus court, donc ce qui veut dire que ça devrait arriver au niveau de l'avant. On joue juste un petit peu avec histoire de le ramollir un petit peu pour que vraiment ça prenne la forme de ton œil. Faites attention de bien déposer la colle, hein. Vraiment c'est super super important. Surtout sur les extrémités, c'est là où ça se décolle généralement. Hein. Tac, et voilà. Là, j'appuie juste un tout petit peu dessus pour bien le poser, pour qu'il ne bouge plus. On va faire la même chose de l'autre côté. Du coup, voilà, ça fait super méga naturel, j'avoue. Par rapport à mes cheveux, donc là, ce que je fais, c'est que je vais juste passer un petit coup de brosse. La poudre blanche commence à disparaître. Dis Siri, quelle heure est-il? Il est 14h40. Ok, magnifique. Et voilà le résultat, regardez, j'ai une frange toute propre, toute lisse, avec un peu de volume au-dessus, franchement, nickel, nickel. Je vais juste passer un coup de lisseur dessus quand même, histoire de bien les coiffer, de bien les lisser. Donc là, je me suis préparée, faites pas attention au bordel qui est derrière, on est dimanche, le dimanche c'est journée ménage, et ma maman elle est en plein ménage. Là, je vous emmène avec moi dans un endroit genre féerique, je pourrais pas vous en dire plus, c'est un château, voilà, apparemment c'est un château. Ça je vous le dis. Et du coup j'y étais jamais et je vais le découvrir en même temps que vous. Donc j'espère que ça va être bien mais je pense que oui. Sinon pour mon sapin on n'a toujours pas trouvé le pied qui va. Donc voilà, il est là en chair et en os. Qui va rester comme ça jusqu'à ce que je trouve le pied de mon sapin. Voilà. J'ai que je suis en train de manger dans la voiture. Je mange un vieux sandwich. Dans le sandwich gastronomique de Funda vous avez du concombre, du fromage et c'est tout. Voilà. J'ai mis de l'emmental, j'ai mis du concombre et je suis partie en courant quoi. Parce que là j'allais être en retard sinon chez ma copine. Il est 15h32, j'étais censée être là-bas à 15h30. Bon j'ai 2 minutes de retard, c'est pas grave. Et je suis arrivée devant chez ma copine, je l'attends, je suis en train de manger, j'en profite de faire vite. Peut-être que dans sa voiture faut pas qu'on mange, c'est interdit de manger, je sais pas. Donc j'essaie de me nourrir en fait. Trop bien, regardez, j'ai pas de parapluie et je mets ça sur mes cheveux, ça protège. Donc franchement c'est trop bien. En plus quand j'ai les cheveux, depuis que j'ai les cheveux courts, c'est beaucoup plus simple quoi. Ça commence un petit peu à me faire peur les routes, hein. Je sais pas, est-ce que c'est normal? Est-ce que je dois avoir peur ou... Oh my god. Mmh.
un peu plus en hauteur, il faudrait vraiment que tu ralentisses. Parce que j'ai trop peur. Si tu m'aimes vraiment et que si je suis ton amie. Tu veux je ralentis mais je peux pas. Pas pour le moment. Plus doucement que ça, on est d'accord. Ouais, si. Là t'es à 50. Tu veux je roule à combien? À 20. 23. Ok. Mais c'est pas. Comment on dit peur en anglais? Afraid. I don't afraid. Parce qu'en fait, je vous explique, depuis une semaine, on se parle en anglais, on s'écrit en anglais, on communique en anglais, si vous voulez, voilà. Par message, sur WhatsApp, etc. Et en fait, on a décidé de se mettre ce challenge-là entre nous, parce que ben, on aimerait perfectionner notre anglais. Donc madame fait déjà des cours d'anglais parallèlement, elle est dans un très bon niveau. Moi, je suis dans un niveau école, donc débutant, on va dire. Je connais, mais j'arrive pas à m'exprimer, mais je comprends. Et du coup, ben, le fait de parler ensemble comme ça tout le temps et d'échanger en anglais, ça fait qu'on perfectionne sans le vouloir, indirectement, notre vocabulaire English, you know. Et donc, voilà. Ah, j'ai les oreilles qui sont bouchées. Ça commence déjà. Donc pour toi, marcher en haut d'un château à pied et en train de pleuvoir dehors, c'est de l'aventure? Yes. Oh mon dieu, sortez-moi de là s'il vous plaît. Je suis malade, je suis malade. Elles le savent, je suis malade moi. Mettez une... Comment dirais-je? Ah mais tu sais que c'est vraiment vrai, il y a un parking là. Donc ça veut dire qu'on doit marcher. Oui, il y a pas un ascenseur? Par contre, parking, il y a pas de place. Là on est en train de partir, donc on est en train de monter une pente qui est juste incroyable, ok. En plus comme il pleut, je galère, voilà. Et je m'attendais pas à ça. Je regarde s'il y a personne derrière moi là, pas que je me fasse tuer. Dans quel état je suis? Il pleut, il fait froid et j'arrive pas à monter. Continue sans moi Zlem, je t'attends ici. D'accord, j'arrive. Bon, que l'aventure commence. J'espère que je vais trouver mon prince charmant ici. Bah oui, juste à côté de toi. Tu m'as pas dit. Dommage que t'es pas un homme. C'est vrai. Bonjour. Vous savez que Özlem, j'aurais voulu que cette personne-là soit un homme, mais pas une femme. Parce que je m'entends tellement avec elle. Et elle est tellement gentille, elle est tellement attentionnée, romantique. Ils sont pas capables de ça. Romantique, attentionnée, tout. Non, ils sont pas capables. Ils ont pas du tout. Euro, s'il vous plaît. Voilà. Petit look du jour. Vas-y, viens, on y va. Et tu vois, il n'y a que le brouillard, pas de prince charmant ici. Ah mince. C'est, on voit flou, on voit le brouillard. Ah ouais, tu vois flou. Je suis en train de bosser en même temps sur Insta. J'ai mis une publication, elle ne va pas partir, je suis pas capable de réseau. Donc voilà, trop dégoûté. Regardez là où on est, c'est trop mignon pour les enfants. L'air silencieux et cristallin. Et presque aussi immobile que les sapins assis tranquilles le long du chemin. On est toujours sage, monsieur. Ah, vous savez, on est toujours sage. Hein, les filles? Merci. Les gentils. On se retrouve dans le restaurant de mon ami. Son papa a un restaurant ici. On est venu manger des donaires. On avait prévu normalement de manger une crêpe en ville. Mais on a eu un petit imprévu. Du coup, bah, on est venu dans son restaurant. Donc voilà. Ah, je vais me régaler. Bon appétit, madame. Bon appétit. Bon, du coup, voilà, je suis rentrée. Il est 21h57. Petit débrief de ma soirée. Franchement, j'ai été agréablement déçue. Le truc qui m'a déçue, c'est que, en fait, l'animatrice qui a animé toute cette soirée avait des propos et un vocabulaire très soutenu, très développé par rapport à des enfants qui ont 4-5 ans, quoi. Donc, des enfants à 4-5 ans, ils comprennent pas ce que c'est le truc de 1840, ce qui s'est passé, quoi. Je trouve que c'était vraiment beaucoup, beaucoup trop d'informations. Il y avait pas assez de spectacles, de jeux, enfin, il y en avait pas du tout d'ailleurs. Je pensais qu'on allait avoir un spectacle, je pensais qu'il allait avoir des danses, je sais pas, des trucs avec des marionnettes, des trucs, quoi. Il y avait rien de tout ça, donc franchement, je suis grave déçue. On se baladait d'un endroit
endroit en endroit. Et on s'est arrêté, je crois, à 4 endroits. Chaque fois, elle s'arrêtait et elle parlait, elle racontait l'histoire. On s'arrêtait, elle parlait, elle racontait l'histoire. Et ça a duré une heure. Il n'y a pas eu vraiment de visite, il n'y a pas eu vraiment cette magie, cette illumination. Ce truc, quoi, de Noël. La seule chose positive qu'on retient dans cette soirée, c'est qu'à la fin, elle parle et donc elle dit, elle remercie tout le monde d'être là. Et dans son message, c'était super touchant. C'est vraiment une personne très touchante. Elle dit que là, il ne faut pas attendre Noël pour s'offrir des cadeaux. Il faut s'estimer heureux de tout ce qu'on a, des choses simples, etc. Ça, c'était vraiment un message qu'elle a véhiculé, que je l'ai ressenti. Mais c'est tout. Maintenant, chacun pense ce qu'il veut. Ça, c'est mon point de vue à moi. Bref, j'ai vu que mes parents avaient trouvé le pied du sapin. Donc, il était posé là où il y avait le sapin. Et du coup, je suis trop contente. Donc, je vais faire le sapin Noël. J'espère que le Spider-Man de hier, il est parti. D'accord ? Enfin terminé le sapin de Noël, j'en peux plus. Franchement, ça m'a pris combien de temps? Il est quelle heure? Il est quelle heure? Minuit 21. J'ai commencé à 22h et là il est minuit 30. Donc autant vous dire, j'ai passé vraiment toute la soirée à faire ça. J'ai plus de voix, j'ai trop mal à la gorge, je suis encore malade. Mais on a réussi. Je voulais trop faire un truc blanc et doré, mais j'avais pas beaucoup de boules blanches ni dorées. Donc du coup, j'ai rajouté du rouge pour combler le sapin parce qu'il est grand. Et après ça fait pas moche quoi, c'est ce que je fais tous les ans finalement, voilà. Avec le rouge ça fait aussi bien. Alors on arrive à la fin de ce vlogmas. Comme vous pouvez le voir, je fais de pire en pire, c'est-à-dire que je suis vraiment malade. C'est quand même dingue, parce que dans ma tête, je me dis, je tombe jamais malade. Vraiment, la dernière fois que j'étais malade, c'était... Je sais même plus à combien de temps ça remonte. Là, je suis en pleine vidéo, c'est-à-dire que tous les jours, je dois travailler encore plus que d'habitude, etc. Et il fallait que je tombe malade là maintenant. Franchement, je comprends pas. Après, il n'y a pas de temps. Je n'ai pas envie de dire j'aurais préféré tomber malade après ou avant. Dans tous les cas, j'aurais préféré ne pas tomber malade du tout. Mais c'est le moment là où j'ai besoin de plus de force, de tenir le plus longtemps possible. Avec les heures de sommeil que j'ai pas, je dors pas beaucoup, je travaille beaucoup sur le mental et tout. Je suis censée être en forme, tu vois. Genre pas... Je tombe malade, quoi. Mais bon, dans la vie, il y a pire. Et franchement, c'est rien ce que j'ai, on s'en fout. C'est juste pour dire que ça fait trop bizarre d'être comme ça, quoi. Petit résumé de ma journée. Je suis contente parce que mon sapin Noël, il est enfin terminé. Là, je viens de prendre une douche aussi chaude que ça, franchement. C'est du jamais vu, genre c'est jamais arrivé je crois. Je voulais me faire les ongles mais finalement j'ai pas de force pour. Donc je vais les faire demain matin je pense, ouais. Aussi pour celles qui regardent mes vlogs jusqu'à la fin, franchement vous êtes des vrais. Merci de me suivre et merci de regarder mes vidéos chaque jour. Ça me fait trop plaisir et je suis trop contente, voilà, tout simplement. Des fois je me pose la question, je me dis mais il y a personne qui reste jusqu'à la fin de mes vidéos, c'est sûr, tu vois. Genre au bout d'un moment ça te saoule, t'as pas envie de regarder. Et je sais pas en fait si vous restez jusqu'à la fin ou pas. Si vous voyez ma vidéo là, vous pouvez me lâcher un petit coucou. Et pour que je sache qui irait jusqu'à la fin, enfin combien de personnes, très clairement ma voix elle est insupportable. Je me mets sur le montage de ma vidéo et je dors. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.